Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle petite vidéo. Donc je tenais absolument à vous présenter une enveloppe que je viens de recevoir à l'instant, donc de Christelle et de sa maman. Alors une enveloppe surprise, hein, bien évidemment, donc c'est vraiment déjà très très gentil de leur part. Alors je n'ai pas encore découvert ce qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est très très bien emballé. J'ai juste ouvert l'enveloppe pour ne pas l'ouvrir donc face caméra et puis montrer les adresses. Donc on va découvrir ça ensemble. Ce sera une surprise autant pour vous que pour moi. Donc déjà, elle m'a fait une super petite carte avec un bel oiseau. Donc la petite carte, je l'ai lue déjà. Alors, je vais commencer par ça. Voyons voir. Alors, donc, nous avons des tags. Ah, c'est en plus, c'est oui. Donc, je vous précise, c'est le thème de l'automne. Alors, on a deux tags, un grand et un petit. Ils sont super beaux. Voilà, ils sont vraiment très, très, très beaux. Là, on est vraiment dans l'automne. Il n'y a pas de souci. Ensuite, celle-ci. En tout cas, c'est bien, bien, bien emballé, hein. Hop. Alors donc dans celle-ci, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a un tag et une carte, une jolie carte. Alors déjà je vous montre le tag. Alors déjà avec le petit tampon 100% fait main. Et voici donc le tag, très très beau, avec des petits glands donc en feutrine, des petits renards en 3D, des champignons. Franchement c'est très 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 joli. Superbe. Et puis donc la petite carte, voilà, le temps d'une promenade, avec à l'intérieur des tamponnages de l'automne. Après donc j'avais encore deux enveloppes. Alors on va commencer par celle-ci. Puis j'adore, franchement j'adore toutes ces couleurs, le marron, le orange, le vert, le jaune, c'est vraiment super. Alors, donc dans cette enveloppe, alors il y a, hop, donc des papiers donc qui ont été faits avec des classeurs d'embossage, donc des papiers embossés, donc toujours sur le même thème. Hein. Donc là, on a des feuilles de l'automne, celle-ci, celle-ci est belle. Hein. Avec le papillon et puis celle-ci avec les clés. Alors si mes souvenirs sont bons, donc je sais plus quels sont sur la tienne par contre. Oui, je crois que c'est comme ça. Enfin bref, c'est pas bien grave. Donc voilà pour vous. Donc ça, si je me souviens bien, c'est un classeur d'embossage qui vient d'AliExpress. Je crois que c'est moi qui l'avais commandé à Christelle pour Christelle. Je suis pas sûre, mais il me semble. Je crois le reconnaître. Ensuite, donc, je vais les remettre dans l'enveloppe pour pas les abîmer. Hop. Ensuite, donc, dernière petite enveloppe. Excusez ma voix. On est en fin de journée. Et donc, pas évident. Hop. Donc, ce sont des découpes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme découpe? Des hiboux avec des dailles, ils sont superbes. Super beaux. Franchement, j'adore. Des renards, alors ça. Oh non, c'est des chats, pardon. Comme je regarde à l'envers, j'avais cru que c'était des renards. Non, non, ce sont des chats. Des petits chats. Petits chiens. Je vais faire attention de pas, voilà, des fleurs, ça c'est magnifique, c'est magnifique. Donc en blanc et en couleur, on a une abeille, un paon. Il est superbe, le paon, regardez ça,
Ça, c'est. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si on le voit bien, normalement, oui. Il est vraiment très, très beau. Et puis, hop, c'est très fragile. La fée clochette. Comme ceci. Voilà. Eh bien, franchement, c'est très, très, très gentil. Merci beaucoup. Christelle et sa maman me gâtent, mais tout le temps. Franchement, merci. C'est vraiment très, très, très gentil. Donc, je vais en faire bon usage. Je vais peut-être même... je vais les mettre de côté. Puis, je pense que je vais faire quelques petites cartes ou quelques tags. Je vais voir. Et puis, je vous les présenterai donc en vidéo. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.